C'est vous qui avez raison. Bonsoir et bienvenue à l'information. Les élèves filles des classes de la 6e en terminale des établissements publics et de l'enseignement secondaire général de 8 départements du Bénin sont exonérées des frais de contribution scolaire au titre de l'année 2022-2023. Ainsi en a annoncé le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à travers un communiqué signé hier lundi dans le cadre de l'opérationnalisation de l'extension de la mesure d'exonération des élèves filles des établissements d'enseignement secondaire général. Kouarou Yves Chabi a invité les chefs d'établissement qui auraient déjà perçu les frais de contribution scolaire de certains élèves de procéder sans délai à la restitution des sous aux parents de ces derniers. Séance d'information et de discussion avec les promoteurs de bars et de restaurants de l'accession Maristella à Dunkor. C'était en début de week-end dernier avec le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato et accompagné de son homologue Jean-Michel Abimbola. La séance s'inscrit dans le cadre des travaux d'aménagement urbain du Togbin et de la plage Fidjose. L'objectif est d'expliquer la nécessité de libérer du périmètre de toute forme d'occupation pour permettre à l'entreprise de démarrer les travaux. Hors du Bénin, en Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été suspendu hier lundi pour 15 jours à la demande de ses avocats. Ces derniers remettent en cause la constitutionnalité de la procédure. Pour rappel, Mohamed Ould Abdelaziz est poursuivi pour corruption, trafic d'influence et enrichissement illicite. En sport, pour finir, la Ligue des champions d'Europe reprend ce soir avec l'étape des huitièmes de finale. Deux grandes affiches sont à suivre. Le Paris Saint-Germain reçoit par des princes le Bayern Munich tandis que les Anglais de Tottenham se déplacent en Italie pour défier le Milan AC. Les deux rencontres se disputent à partir de 21h de Cotonou. Entreprises et particuliers, profitez de notre réduction spéciale Saint-Valentin et attirez à vous dès maintenant votre clientèle cible. Communication digitale, spots publicitaires, reportages, interviews ou portraits, nous sommes disposés à vous accompagner. À First Afrique TV, nous faisons votre réputation. Nous rejoignons maintenant, c'est donner un coup de clé à votre entreprise, vos services. Contact 00229 58 24 24 03. First Afrique TV, le vrai visage de l'information. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de votre attention. On se retrouve demain mercredi. Plaisir à Dieu.